Quelques principales informations après pour développer matin dans le journal, sa, élection américaine pour l'année 2024, là. Donald Trump a revendiqué Victoria League et puis remercie Américain peut être il choisi comme 47e président des États-Unis. Il y a seulement chaîne Fox News qui lui-même a déjà annoncé victoire finale. Donald Trump à source de presse confirmée lui-même victoire. Candidat républicain a établi que Pennsylvanie, déjà selon la presse américaine, en tout cas selon quelques chaînes américaines, Donald Trump a déjà a gagné 267 grands électeurs. Donc, il vous venir avec plus de détails concernant l'élection américaine matin avec le euh, pendant Luxon Saint-Ville mais déjà gagné président français Emmanuel Macron qui félicite euh, président euh, Donald Trump qui et selon information au sud de élection aux États-Unis parce ah bon, que euh, mec toujours que concerné américain yo gagné bureau afin international narcotique à, application la loi département d'état et ben qui a annoncé là li livrer divers équipements sorti 28 octobre pour arriver 3 novembre pour supporter PNH la mission multinationale là dans pays d'Haïti machine blindée pour protéger les troupes en Haïti pour doubler flotte MMSS là et puis améliorer déplacement ensemble avec l'autre forme assistance ANL te l'autre outil tout pour faire respecter la loi pour les forces MMSS qui cap travail en coordination avec PNH pour combattre gang gangs assassins yo. En d'un pays. Assistance a montré engagement aux États-Unis pour continuer à satisfaire les besoins de sécurité et d'aide humanitaire en faveur Haïti, d'après un communiqué qui peut date 5 novembre 2024. Faut que nous disions, Johnny, malgré présence 426 policiers et militaires étrangers yo dans le pays, les gangs et les continuent à terroriser population. Ce six mois de juillet pour arriver septembre 2024, il y a plus de 1200 200 personnes qui mourent. 522 autres qui blessés dans le cas de violence gang Aksamio, d'après bureau intégré Nations Unies en Haïti, Binu, dans un rapport et au publié fin mois octobre passé. Dans le cas de la mission pour supporter la sécurité dans le pays, 600 policiers kenyans qui pourraient la déployer sur le terrain, déjà recevoir une formation dans langue créole Haïtien. Inisiativ sa vize prepare ofisye sa yo pou realite kil tirel ak lang peyi yo pral sevi akise Haiti. Se, se envoye spesyal soukreden jeneral OIF la ki ite remet polisye yo diplom formasyon sa. Padan li soli di importans komunikasyon ak adaptasyon kil tirel nan operasyon pou mette la pey nan peyi yo. Plizye avoka denonsi karakter ilegal not pake potopresen mette li yo. Pour interdire publication d'images qui ont un rapport, mais qui ont un caractère criminel sur les réseaux sociaux. Avocat, ça a expliqué décret 21 novembre 1977 qui par des affaires de télécommunications. M. jacques claude Antoine mentionné pas de paquet pa porte prince l'égalité pour agir contre aucun monde. Homme de loi, a appuyé l'idée. Combattre la cyber criminalité en Haïti, mais où avait-il si par un cadre légal notre paquet pour le principal après la cause il y a lot de lot dérive dans la justice n'a bien pour nous suivre un dossier spécial dans le journal la matin avec le collaborateur Jean-Paul le dit dans les affaires politiques qui te dit au Premier ministre Gary Conil par l'invitation invitation à CPTA qui te lui faite hier le 5 novembre 2024. mille là rencontre ça entre deux chefs exécutifs qui ont pour trois ans après Midi. d'après information Gary Konit a écrit Conseil présidentiel transition pour Mandeo voyer pour une autre date soit jeudi qu'a pas rencontre là. et entre lui-même avec Conseil présidentiel là ULCC déjà à transmettre plus passé une vingtaine de correspondance par diverses institutions l'état et cap privé pour joindre l'information sur le patrimoine, ancien président Michel Martelly, Kayard de bijoux, administration Belvedere, 4 Galerie Rivoli, administration Kiani, Villa Rousseau, Ofnac euh, ou AVCT, c'est quelques pamilotes qui recevoient une correspondance ULCC qui pourrait date à 28 octobre 2024. ULCC tombe en quête ça après dénonciation ensemble contre corruption sur les affaires patrimoine, ancien président Michel Martelly. Et puis Martin, on a différents rubriques noyaux, nous